Hello everyone, welcome to BGS, Binge Gaming Session number 35 with Far Cry 3. 4, pardon. Ah, l'obsus révélateur. Far Cry 4. Okay. Ah, bah ça commence bien. Ah, merci, au revoir. Au revoir, merci. Ah ouais, j'ai à peine commencé, je me fais attaquer. Pourtant, on a nettoyé la zone. Il y a encore des soldats qui traînent, alors que là tout... Regardez-moi ce soleil, qu'est-ce qu'il fait beau. Il fait un peu frais, voilà. On va se mettre dans un mode de... automatique, mais rapide. Alors j'espère que vous allez bien. Moi j'avance. Kirate, qu'est-ce qu'on se marre? On se fait attaquer tous les coins. Bah, alors lui il va m'attaquer. Allez. Voilà. Il va faire demi-tour ou pas? Il fait demi-tour. Ah, il fait demi-tour, puis il va me chercher. Oh là 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 là, on peut pas être tranquille. Hein. Secrète de mort vivante, il a reçu en cadeau des hommes lézards qui vivent dans le sous-sol de Los Angeles en échange de. Hameau de Bright Raver, c'est en anglais. Ah, il y a une petite. Merci d'avoir une petite. Petite affiche. Regardez-moi ça. Pagan's Royal Army, keeping carrot safe. Les mecs sont surarmés. Je sais pas si j'arriverai à bout des affiches de propagande, il y en a tellement. Mais surtout, il y en a qui sont, mais je sais pas comment on y accède. Je cherche encore. Je pense qu'il faut se ramener avec une bagnole, vous voyez. Ah, lui il est là. Dernier. Ah, on peut faire un petit saut et atterrir au pont là-bas. Ah, pour aller à la chasse là. Ah, il y a des ennemis, comme de par hasard. Allez. Au revoir, merci. Allez, on n'a pas que ça à faire. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Clairement, c'est la dernière mission, dernière ligne droite. On va activer la mission Sentier dehors. Ah, il y a un petit mot. Il vaut mieux mourir au service de la volonté du roi, car celui qui meurt au service d'un autre sera couvert de honte. Le roi Pagan, que le mien de Pagan vous inonde. Ah, quel méchant. Ah, c'est Badra. Salut. À moins que tu préfères Tarun Matara. La représentation chéronneuse de la déesse qui reprendra le temple de Jalendou sera notre chef. L'avenir du Kirat est en. On l'a déjà fait ça. Je suis prise entre Amita et Sabal. Tu les as vus, tu sais comme ils sont. Amita insiste pour détruire le temple. Elle dit que ça libérera les femmes du Kirat et. Ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que Tarun Matara était une bonne chose. À en croire Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour le sacré Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux un Kirat Slim. C'est vraiment un choix cornélien. Tout au long du jeu, on vous demande de faire des choix de toute façon. Ok. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, de beaux yeux. Merci. Pauvre petite fille. Le temple de Jalendou. Donc Badra est ici, en ce moment. À Tarun Matara, la représentation même. Du coup, elle est là encore ou quoi? Allez, est parti. Rentrer du coup. Faut faire un choix. Faut faire un choix, messieurs. Soit Amita, soit Sabal.
Je vais d'abord faire sa balle, comme ça, si jamais la chose fait maintenant. Alors, que dit sa balle? Il paraît qu'Amita veut s'attaquer à Jalendo. Cette pauvre demeurée. C'est déjà dur de voir Pagan tout détruire autour de nous, et en plus, ça lui mâche le travail. Merci. Tu ne peux pas savoir ce que Jalendo signifie pour le pirate, et aussi pour moi. Veut que ce cœur de temps pourrait couronner Badran au cœur de Matara, ça permettra à Sabal de prendre tête du sortier d'or une fois le pirate libéré. Je vais d'abord vous voir aussi Amita, on va ce qu'elle va me dire. J'ai déjà fait mon choix, vous savez déjà qui c'est que j'ai choisi. Avec ce qu'a dit Badra, le choix est vite fait. Badra m'a dit que tu te préparais à détruire Jalendo. Il s'agit pas seulement de détruire le temps. Ce que je veux, c'est envoyer un message à tout le monde. C'est un grand jour pour le Kirat. C'est fini, nous ne sommes plus enchaînés au passé. Sans la Tarun Matara, les gens réaliseront enfin qui est vraiment Sabal. Un idiot, un simple d'esprit, un menteur qui squatte des ruines. Oh. Prends tout ce qui a de la valeur, on pourra le fondre et le revendre. Mais pour ce qui est du temple, je veux que tu le détruises. Mais elle a une vision. Elle a une vision particulière. Amita veut que vous attendez jamais que vous serez le joueur qui trouve pour financer la rébellion. Ceci permettra à Amita de prendre la tête d'un foyer. Ouais, vous voyez le choix qu'il y a à faire. Alors, moi qui écoute la bande son tous les jours quasiment, c'est drôle parce que Sabal c'est Sabal Suit. Donc la chambre, la pièce de Sabal. Pour Badra, c'était Badra Suit. C'était là, c'est là qu'est Badra. Et en fait, Amita, c'est Amita's Rage. C'est pas Amita's Suit. Amita's Rage. Vous voyez, déjà, c'est un signe. Qu'est-ce qu'on voit? On a deux visions différentes. Sabal, il est pour la continuation du Kirat, retrouver le Kirat d'antan. Le Kirat de Moan Gale, notre père, tout simplement. Faire la continuation de cela et voilà, que la Tarun Matara, Badra, soit purifiée. Et qu'on puisse reprendre l'histoire où elle était auparavant. Quoi. Mais c'est une vision un peu archaïque du pays. Amita, elle, c'est une femme. Elle a une vision entre guillemets féministe. Hein, c'est un peu l'air, le message sous-jacent. Elle veut moderniser le Kirat, quitte à vendre de la drogue, quitte à détruire. Enfin, si elle est statue de détruire, c'est pas grave. Quitte à détruire le temple de Jalendo pour plus qu'il y ait de Tarun Matara. Donc pour que le Kirat se détache complètement de son passé. Voilà deux visions opposées des choses. Mais mon choix, enfin, je suis obligé de faire le choix de qui à votre avis. Qui je vais choisir? Amita ou Sabal? Le passé, les traditions, une vision archaïque des choses, une continuation de Moan Gale du coup du royaume. Ou alors Amita qui veut faire table rase, un nouveau pays moderne où les femmes sont bien présentes, où chacun lutte pour le pays, mais qui veut dire aussi trafic de drogue. Destruction de la tradition du temple de Jalendo, donc choix cornélien. Bah, tout simplement, moi, je vais prendre Sabal. Je vais prendre Sabal parce que Amita, elle a quand même voulu qu'on détruise pas deux trucs de drogue pour qu'on puisse vendre de la drogue pour faire de l'argent, pour sauver le Kirat, pour que des sous rentrent dans les caisses, pour l'après quoi. Mais j'ai envie de dire, mais non quoi, on va pas vendre la drogue, on va pas verser dans le trafic pour que on. Faut qu'on sorte la tête haute de tout ça, pas la tête basse et les mains dans le cambouis, parce qu'on serait aussi. On serait comme Pagan. Pagan fait la drogue. On va reprendre la continuation de Pagan. Pagan a décapité la royauté, le royaume, pour se mettre à sa place, et on va continuer ce qu'il a fait. En fait, on va prendre juste sa place. Ça, c'est le point de vue d'Amita. Alors que Sabal, lui, si on revient où on était avant. Oh, et regarde, vous avez vu, là, il embarque. C'est dingue, il embarque un animal comme ça. Pof, d'accord. Donc moi je suis plutôt du côté de Sabal parce que il a bossé avec Moan Gale, il connaît Moan Gale.
notre père, donc il comprend le pays. Même s'il a une vision dépassée, même si au moins je pense qu'il a une bonne vision des choses, quoi. Pour moi, il fera pas le mal, alors qu'Amita, je suis pas sûr. Donc, je préfère prendre sa balle. Ouais. Arrêtez de renoncer. Stop or renounce. Sécuriser le temple de Jainu. D'accord, donc en fait on est à côté, c'est parce que. D'accord. Bon, est-ce que j'ai un hélico? Pas loin. Il n'y a pas d'hélico. Il y a des bateaux. Ah, je vais pouvoir récupérer peut-être une petite affiche entre temps. On y va. C'est sympa le coin aussi. Le temple de Jainu. On savait pas ce qu'on allait faire. Non, c'est. Hein. Ah, il y a un truc là, il y a un truc dans la flotte. C'est quoi ça? C'est. Kairater Sen. Oh là, c'est encore la. La maudite. Comment dire, la maudite, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer dedans. Comment on fait alors? C'est au-dessus? Non, c'est des potes. La zone est sécurisée apparemment. Kairat Earthen Ore. K.O. Il y a des gens qui se baladent. C'est drôle, c'est comme dans Far Cry 3. C'est-à-dire que au départ tout est envahi, tout est. Rien n'est sécurisé. Du coup. Ah ça c'est une belle clé, donc un truc de valeur. Et un beau bateau aussi. Tout est envahi, donc il y a des ennemis partout. Donc on peut pas. Qui est un truc genre passer la mitrailleuse, ouais, super. On peut pas se balader sans se faire attaquer par les soldats, et plus on conquit de territoire, plus on conquit d'avant-poste, plus les soldats se baladent, plus les gens se baladent. Yuma et Pagan volent le Kirat depuis des années, et ils gardent nos reliques à Jelendou. Je ne peux pas que l'armée prenne ce qui appartient à notre peuple. Alors détruis leur bateau avant d'attaquer. Assure-toi que personne ne s'échappe. Ils ont aussi posé des explosifs au temple. Neutralise-les. S'ils te repèrent, ils activeront des drones. Hey, les gardes sont serrés. Ils ont déclenché les minuteurs. Ah, déjà, je me suis foiré. Ah, je suis mort. Ah, je me suis mal pris. Bah, de toute façon, je bourrine toujours. Bah, c'est une blague. Ils ont déclenché les minuteurs. Ça recommence. Qui me tire dessus là?
Où est Ico? Ah, c'est chaud! J'aurais dû détruire les... Ouais, les prochains minuteurs. Hello, le prochain minuteur. C'est où? Oh là là, c'est bloqué. Putain. Il est bloqué. C'est dans les sous-sols. Ah putain. C'est bon. Ça va. J'ai désamorcé toutes les bombes. Ah, j'étais chaud. J'ai réussi au deuxième coup, quand même. Ça va. C'est fait. Bien joué, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le Gator me signale que les renforts ennemis se dirigent droit vers ta position. Ils veulent reprendre le temps. Prépare-toi à te battre encore. Ils sont où? Oh là là, ça pète. L'armée arrive par l'ouest. Allez, on y est presque là. Oh là 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 là.
d'où, Sabal? Louis Soakira. Je pensais qu'Amida arriverait avant toi. Tu te rends compte qu'elle allait empêcher Badra d'accomplir sa destinée? Elle ne peut pas se dresser entre les dieux et leur peuple. Son arrogance provoquera sa perte. Ah, Yogin Régis, ça continue. Je pensais que c'était fini. On va se balader un petit peu. Regarde. Alors, juste deux secondes. Je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça balait là. Du coup, en fait, on est vers la fin. Je vais récupérer un maximum de trucs. Y'a rien d'autre à récupérer là. Attendez, je suis monté tout en haut. Faut quand même que je visite un peu. Là, on peut pas aller plus haut. Là, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut atteindre cet endroit là? Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs à voir. Non, y'a rien. Et on a réussi au deuxième coup, mais bon. Attendez, on va rien retourner dans le temps parce que j'ai allumé les gars. On pouvait se planquer dans la flotte et tout, non mais... Parce qu'en fait, je suis déjà venu à Jaendu, et il n'y avait rien de particulier à faire. Alors je me dis, est-ce que je vais dans l'eau? Il y a un truc à récupérer, mais il n'y a rien. Ils auraient pu mettre un petit bonus. Ça permet juste de se déplacer tranquillement. Il n'y avait pas un tanka ici? Il n'y avait rien. Ça n'a rien compris. C'est un très beau temple quand même. Ah, si, il y a des balles. Voilà, on a buté des gars, mais ils sont auto-nettoyés. Attendez, lui, j'ai pas vu. On a réussi la mission. Oh là, il y a des cadavres partout. Je les ai tellement allumés. J'ai allumé mais tous les ennemis quoi. J'ai fait péter des bateaux de partout, c'était un vrai massacre. C'était intense hein. Il fallait... On va juste le voir, ça active la mission. Sacré, je te le promets. Tu seras notre Tarun Matara. Loué soient les dieux, nous serons bientôt libres. Badr est arrivé. Ah, Badra, est-ce qu'elle est contente? Je sais pas. Je sais pas si elle est contente. Tu voulais me voir. Je
voulais te remercier. Cet instant, ici même, c'est à toi qu'on le doit. Je te le promets, je n'oublierai pas le fils de Mohan quand tout sera derrière nous. Ton père serait vraiment fier. Maintenant, écoute. Le Sentier d'Or a besoin d'un chef et Amita est... incontrôlable. Ouais, elle est bizarre, Amita. Regarde. Regarde autour de toi. C'est ça que veut le Kirat. Stabilité, tradition, honneur. Mais elle conteste sans arrêt toutes mes décisions. Ah, ça attaque. Oh là là. J'ai pas d'hélico, je fais comment? Comment je fais pour y aller? C'est où Outkarch? C'est hyper loin Outkarch en plus. Oh là, y a un bateau, ouais, mais y a pas un hélico. Y'avait pas un hélico là? Oh là, je vais pas y arriver. Attends, je regarde. Ouais. Ah, il y a un éléphant. Allez, avance! Ah, en plus, c'est pas un éléphant sauvage. Allez, avance! Il n'y avait pas de truc pour acheter en plus sur le... Je m'enlève tous les morceaux de trucs dans la main. Il y a des checkpoints partout quoi. Attendez, je regarde juste, c'est ce que je suis dans le bon chemin. Oh là là, je vais s'allumer. Ne reculez pas. Est-ce que je vais y arriver? Je cache, c'est le village local de la rébellion. Oh là là, j'arrive plus là, allez, avance! Aidez-nous! Les soldats de Pagan arrivent! Ils vont tous nous tuer! Je vais vous protéger. Restez dedans et allez nulle part. Où est-ce qu'ils vont aller? Par l'est. J'ai même pas la réputation du nord. Ah, c'est le nord par là. Donc c'est par l'extérieur. Oh.
sérieux, quoi. Mais il se met 2 heures avant de réagir. Oh là là, mais c'est relou. Vous avez vu, il a mis 2 heures. Je lui dis non. C'est passé une microseconde et voilà, c'était mort. Attendez, je vais faire une pause. Regardez, ils approchent par là. J'aurais un truc. Parce que là, je sens qu'on va faire cet arc-là. Excusez-moi, j'étais un peu... Mais je... En fait, je vais boire un petit coup. Déjà, je pige pas. Je sais qu'ils arrivent par là, mais c'est pas logique. Allez! Mais les mecs m'enchaînent, quoi! Y'a personne! Franchement, mais 6 mois! Allez! Plus rien. Allez! Excusez-moi, mais j'en peux plus, quoi! Allez! Allez! Attention, elle est dingue. On a détruit un de leurs postes d'artillerie, mais il en reste deux.
Le prochain va encore te pilonner très bientôt. Tiens-toi prêt. Ils se regroupent. Préparez-vous pour la prochaine attaque. Ils attaquent par l'est. Encore ? Oh là là, je vais pas y arriver. Ah, il est pas bon, Pavel. Putain, j'ai déjà plus rien. Non! Lâchez pas la pression! Allez, tire! Parce que vas-y, arrête, c'est bon. Allez. Oh là là, mais c'est pas possible, mais je suis maudit. Le mec il recharge. Arrête de recharger. Le mec il recharge avant de tirer quoi. Faut que je me prépare avant. Si c'est bon, je suis rechargé là. Oh, c'est intense. Leur deuxième batterie à son compte. Il n'en reste qu'une. On n'y sera pas assez tôt pour les empêcher de pilonner Outkarch à nouveau. Prépare-toi. On les a repoussés pour l'instant. Attention à la prochaine vague. Allez, laisse-moi toi. Voilà. Mais il va crever, oui. Crève. Mais les mecs, ils me balancent des trucs, je comprends rien, quoi. Allez, c'est bon. Mais sérieux. Non, arrête. Vous avez entendu les gens hurler, ils ont tué, c'est horrible. C'est horrible, c'est vraiment la guerre.
C'est bon? Normalement, c'est lui là. Ça y est, le dernier poste d'artillerie est détruit. Tu es tranquille. Outkarch est sauvé. Qu'est-ce qu'il en reste? Badra est sauve, et c'est tout ce qui compte. Tant qu'elle sera en vie, le peuple gardera espoir, mon frère. Je dois leur montrer à tous que ce sacrifice n'était pas vain. On a réussi. Oh là 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 là. Ça va. La garde expédia des drones dans tout le Kirat pour ses projets de construction. Et nous, il fallait qu'on se débrouille avec les restes qui nous tombaient sous la main. Il y a des morts. C'est horrible. Ah, c'est les moments les plus horribles du jeu, c'est quand même quand on entend les gens hurler parce qu'ils se font brûler. Ça m'a refroidi, ça m'a compliqué. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Sabal? Je suis sûr qu'Amita va se retourner contre nous. Et franchement, hein, avec tous les soldats que j'ai tués, j'ai dû tuer 5-6 civils. Tout au long des vidéos, d'ailleurs, on le voit, il y en a pas beaucoup. J'en ai 5-6 civils. Mais je sais pas, en soldat, franchement. Des milliers. Ah non, mais au moins des centaines. Je sais pas s'il y a des stats. Je sais pas si on peut voir les stats du jeu sans le quitter. Ah, y a pas les vautours aussi qui viennent. Ça va. Mon ami, j'espère que tout va bien. Mais qui c'est qui écrit? Ah, ils sont contents parce qu'on a gagné. Ah, franchement, non, c'est pas ce que je voulais faire. Franchement, ça s'est joué à. C'était chaud. Hein. Il y a eu des citoyens sont morts quand même. Je veux pas dire, mais. Ça nous a coûté beaucoup, pertes humaines. Si les soldats c'était des kératives, je crois pas. Je pense que c'était des mercenaires. C'est ce qu'ils expliquaient dans le jeu à un moment. C'est qu'ils s'étaient ramenés avec des. Loué soient les dieux. C'est un comptoir, c'est ça? C'est peut-être pas intéressant ce que je fais, hein, vous allez me dire, mais c'est nécessaire. 785 000, ouais, c'est pas mal. Des armes. Ah oui, les armes spéciales. Non, il y en a qui sont gratuites. 390 000, ouais, c'est trop cher. Soldats, Bushman. Déchiqueteuse! Waouh! Comment on fait pour la débloquer? 6 de karma. Bah, déchiqueteuse, elle fait rêver. Là. Ah, c'est ça, débloquer. Ils sont pas donnés quand même. MG, MKG. La MKG, moi j'ai quoi? Les affaires marchent très bien quand t'es là. J'espère revoir. Ouais, dans la maison vite fait. Aïe. Est-ce que ça aurait eu le coup tout ça?
On peut juste dormir. Bah si, y'a un truc. Bah quel est l'intérêt d'aller voir l'autre nana alors? On va la récupérer ici. Sabal est où? Sabal il est loin ou pas? Ah ouais, il est hyper loin. Il est près de la mine. Ah, il y a une affiche là. C'est pas une affiche impossible à choper. Si. Ça, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour. Je pense qu'il faut bouger un objet pour grimper et ensuite l'attraper, mais. Ça m'a l'air compliqué quoi. Sabal, alors, c'est quoi qui a une mission de campagne pour Sabal? Ah bah c'est le final ou pas? Je pense que je vais peut-être couper avant, je sais pas. Ah moi comme c'est beau. Là j'ai fait les choix qui font passer Sabal qui est chef. Mais là j'ai peur qu'il nous déclenche l'apocalypse. Je pense que la fin du jeu ça va être... Ça va être Badra qui devient Tarun Matara. Et Jay Gale quand même c'est un gars qui a émigré du Kirat vers les États-Unis. Oh mais laisse-moi petit aigle. Et qui revient sur les terres sur ces terres. Il se trouve impliqué quand même dans une guerre civile contre Bagan. C'est un gros délai. Bon allez, on va se quitter là. J'espère que vous avez aimé cette émission. On va essayer. Je l'ai eu. Et ils sont casse-pieds. On va rejoindre Sabal. À bientôt pour une prochaine vidéo de PGS. Ciao.